Nous sommes partis d'un constat qu'il y a pas mal de déficits stratégiques sur certains sujets. Et on s'est retrouvés entre personnes de bonne volonté pour concevoir ce qu'on appelle, nous, la pensée stratégique endogène africaine. La pensée stratégique endogène africaine est une émanation de l'Université des connaissances africaines, qui est une association apolitique qui a pour ambition de concevoir de nouveaux paradigmes. Et la pensée a pour mission de retirer tous les anciens paradigmes et de produire de nouveaux paradigmes. La pensée est une vision que nous souhaitons africaine, parce que nous pensons que 60 ans après, nous devons maintenant réfléchir sur comment voir le monde et comment interagir avec le monde. Ça fait 5 ans qu'on existe et ça fait 5 ans qu'on continue à travailler. Nous pensons qu'on a les moyens de notre vision, oui. La prochaine étape, c'est présenter l'Université des connaissances africaines afin de permettre au public de mieux comprendre ce que nous voulons faire, parce que sans le public, on ne pourra pas le faire. Nous avons un chantier tellement colossal qu'on a besoin de compétences et nous souhaitons donc présenter ce qu'on appelle des activités de communication qui ont pour objectif de présenter ce que nous faisons, le contenu de nos travaux, afin de donner à ceux qui le souhaitent l'envie de travailler avec nous. Les retombées, c'est nous qui concevons la vision stratégique pour la faire partager au public. Nous devons savoir que nous sommes capables de faire beaucoup de choses, que tout ce qui a été fait pour nous, sans nous, est en réalité fait contre nous. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'on apprenne à faire pour nous, avec nous, afin que l'Afrique, tout doucement, aille de l'avant.